Bonjour à toutes les amis. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo rapide pour vous montrer un peu quel type d'aliments stocker et qu'est-ce que moi j'ai choisi. Donc pour qu'est-ce qui s'en vient, parce que je suis convaincu que les pénuries alimentaires vont arriver et plus vite qu'on ne le pense. Et après les annonces de Macron, si le peuple se réveille un peu, ça peut aller très très vite et pour ne pas perdre la main, l'État peut fomenter des attentats, des pénuries, comme qu'est-ce qui s'est passé en Suède avec les cyberattaques, avec les gros incendies aussi qu'il y a, pas incendies, les grosses pluies qu'il y a eu en Europe là. Comme je vous l'ai dit, beaucoup de cultures ont été détruites et ça va, ils vont pouvoir profiter aussi de ça pour fomenter des pénuries. En Afrique du Sud, c'est vraiment la merde en ce moment. Pénurie, c'est des guerres civiles, quoi. Le Liban, c'est pareil. Cuba, pareil, il y a des pénuries alimentaires. Donc tout ça, ce n'est pas anodin. Et surtout, si aussi, il y a, par exemple, les banques sont fermées, comme ce qui s'est passé au Liban, tout peut arriver, donc préparez-vous au pire. Nous sommes rentrés dans une étape où tout va s'accélérer. J'avais fait une vidéo là-dessus en vous disant préparez-vous au dernier été de liberté. J'avais fait aussi une vidéo à l'époque, il y a peut-être un an, je pense, sur préparez-vous à l'autonomie alimentaire, parce que bientôt nous ne pourrons plus rentrer dans les magasins. Je l'avais prévu ça aussi. Et c'est ce qui arrive en France, et ce qui arrive en France se passera dans tous les pays parce que c'est le nouvel ordre mondial. Donc voilà, donc je vais vous montrer un peu. Donc là, c'est des confitures. On va me dire oui, du sucre. Tout ce qu'on peut stocker, c'est du bienvenu. Là, j'ai du riz. Donc le riz. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de vitamines, tout ça, mais ça faudra l'agrémenter de plantes sauvages et d'autres choses. Comme je peux vous montrer, j'ai beaucoup de sardines là. Du thon. Là, j'ai encore des poulpes. Beaucoup d'anchois. Énormément d'anchois. Beaucoup de boîtes de conserve. Tout ce qui se garde, quoi. J'ai des pâtes. Bon. Plutôt pour les enfants ou pour si je dois donner un peu aux gens. J'ai du sel, très important le sel. Beaucoup de bouteilles d'alcool, comme je vous ai dit, ce sera très important parce que ça, vous pourrez les changer contre d'autres denrées ou ce que vous voulez. Mais ayez de l'alcool, un conseil. J'ai aussi beaucoup de légumineuses secs. Je suis préparé aussi, j'ai des combinaisons exprès. Je sais pas si vous voyez, pour s'il y a vraiment une pandémie. Une lampe autonome, donc sans électricité. Voici ma fameuse arbalète que je n'ai jamais utilisée. Et voici ma cage à animaux au cas où. Donc voilà, je vous ai fait vite un petit tour, mais je vais continuer à stocker. Et là, à l'époque, j'avais beaucoup plus de riz, hein. J'avais au moins 50 kilos, donc j'ai déjà passé, parce qu'au fur et à mesure faut passer aussi. Donc voilà, et puis des gâteaux, quelques chocolats pour les enfants, pour apaiser un peu les enfants quand c'est vraiment ceci se passe. Donc voilà quoi, un peu de douceur pour les enfants, ça leur fera pas de mal. Donc voilà, ben je vais vous laisser et surtout faites les bons choix car les temps troubles vont arriver plus vite que vous ne le pensez, beaucoup plus vite. Et si Macron a annoncé ses nouvelles lois, c'est qu'il est sûr de lui et qu'il a plusieurs cartes dans ses mains. Je vous le répète encore, ces gens sont là depuis 2000 ans, c'est la même équipe. Donc voilà,
Ne pensez pas qu'ils sont abrutis. Ils sont très très intelligents et ils ont toujours au moins 30 ans d'avance sur nous. Donc voilà. Sur ce, les amis, soignez-vous bien, protégez-vous bien et profitez bien de ce dernier été de liberté. Bonne journée.